Il y a des siècles de cela, furent créés des bijoux magiques donnant des pouvoirs fabuleux. Les Miraculous. Tout au long de l'histoire, des héros ont utilisé ces bijoux pour le bien de l'humanité. Il existe deux Miraculous plus puissants que les autres. Les boucles d'oreilles de la coccinelle qui donnent le pouvoir de création et la bague du chat noir qui donne le pouvoir de destruction. La légende dit que celui qui contrôlera ces deux bijoux en même temps obtiendra le pouvoir absolu. Je veux ce pouvoir absolu, Nourou. Je veux ces deux Miraculous. Mais maître, nul ne sait où ils se trouvent. Je t'ai bien retrouvé, toi, Nourou. Ce Miraculous auquel tu es lié, rappelle-moi ce qu'il permet de faire. La broche du papillon vous permet d'offrir un super pouvoir à une personne et d'en faire votre champion. Et quand il faut attirer des super-héros, quoi de plus efficace que de créer des super-vilains, hein? Mais, maître, les Miraculous ne sont pas censés être utilisés pour faire le mal? J'ai besoin de ce pouvoir absolu! Ton Miraculous est en ma possession! Je suis donc ton maître! Et tu me dois obéissance! Bien, maître, à vos ordres. Nourou, que les ailes de la nuit se déploient! Nourou, transforme-moi! Mon maître. Mon maître. Chant rituel, ça fait partie de la science. Mon maître. Merci d'être venu, on se revoit la semaine prochaine. Maître, le Miraculous du papillon, j'ai senti son aura. Je le pensais perdu à tout jamais. Maître, son aura, elle est négative. J'ai peur qu'il soit tombé entre de mauvaises mains. Alors nous devons absolument retrouver Nourou. Si son Miraculous était mal utilisé, qui sait quel malheur s'abattrait sur le monde. Il est temps d'intervenir. S'il vous plaît, maître, soyez raisonnable. Vous êtes... Encore jeune. Je n'ai que 186 ans. Mais tu as raison, Wise. Je n'y arriverai plus tout seul. Nous avons besoin de nouveaux héros. Marinette, ça fait un quart d'heure que ça sonne. Tu vas être en retard pour la rentrée. C'est bon, maman. J'arrive. Tu vas voir que Chloé va encore être dans ma classe. 4 années de suite, tu crois que c'est possible, ça? Tout est possible avec la poisse que j'ai. Ne dis pas ça. C'est une nouvelle année qui commence. Je suis sûre que tout va bien se passer. Papa, ils sont super beaux. Content qu'ils te plaisent. Merci, papa. Ma classe va adorer. T'es le meilleur. Nous sommes les meilleurs, grâce au nouveau logo que tu as dessiné. Oh. Oups. Merci. À ce soir. Merci, mademoiselle. Oh non, quelle catastrophe. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Catastrophe, c'est mon deuxième prénom. Et puis, il m'en reste quelques-uns. C'est délicieux. Oh non, ça sonne déjà. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup, jeune fille. Nino, et si vous veniez plutôt vous asseoir devant cette année? Marinette du Pincheng. Oui, voilà, c'est reparti. C'est ma place. Mais Chloé, j'ai toujours été assise ici. Ben c'est fini. Nouvelle rentrée, nouvelle place. Alors tu te lèves et tu vas te mettre à côté de la nouvelle qui est assise là. Mais écoute-moi bien, aujourd'hui Adrien arrive. Et comme là, ce sera sa place, alors ici, ça devient ma place. Compris? Je demande à tous les Parisiens de rester chez eux jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. Monsieur, encore une question. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait qu'un super-vilain soit en train de semer la terreur dans Paris. Les forces de l'ordre tentent de maîtriser l'individu. Ayez confiance, le bras de la justice s'abattra sur... Aïe, aïe, ah, l'autre bras. Oh, je déteste les rentrées. Hein? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Non.
ça alors comme le génie de la lampe? Ah oui, je l'ai rencontré. Bon, il exauce les vœux, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Plaque, ravi de te rencontrer. Ça a l'air bon. Ah non, touche pas à ça. Reviens ici. Ça brille, ça se mange. Pas du tout. Écoute, Marinette, je sais que tout ça peut te paraître un peu étrange, mais... D'accord, si ça peut te rassurer. Qui es-tu? Et comment tu connais mon prénom? Je suis un Kwami et je m'appelle Tiki. Je vais tout t'expliquer. Je ne sais toujours pas ce que tu fais ici. Soit, je suis un Kwami, je donne des pouvoirs. Toi, c'est le pouvoir de destruction, compris? Bien, aurais-tu quelque chose à manger? Je meurs de faim. C'est une blague de mon père, c'est ça? Attends, impossible, il a aucun humour. Tu ne devras jamais dire à ton père que j'existe, ni à personne d'autre d'ailleurs. Maman! Non, je suis ton amie, Marinette. Tu dois me faire confiance. Tu es la seule à pouvoir arrêter Cœur de Pierre. Vous croyez qu'ils seront à la hauteur, maître? Je n'ai commis qu'une erreur dans ma vie. Je n'en ferai pas une deuxième. Enfin, j'espère. Il y a forcément une erreur. Le seul super pouvoir que je pourrais avoir, c'est la super maladresse. Je sais, Alia, elle, ça lui plairait. C'est ma copine. Enfin, je dis ça, mais je suis pas sûre. Elle adore les super-héros. Elle serait parfaite pour ce rôle. Tu devrais aller la voir. Marinette, c'est toi qui as été choisie. Mais je suis coincée ici. Je peux même pas aller à l'école. À quoi sert un super-héros s'il peut pas sortir de chez lui? Ah, rien. Et c'est pourquoi tout ça va bientôt changer. Si tu en as envie, bien entendu. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est casser l'objet dans lequel s'est fourrée la bestiole. Ça s'appelle un Akuma, et tu dois le capturer. Compris, le capturer. Et le truc charme, c'est quoi déjà? Le Lucky Charm, c'est ton super pouvoir secret. Oh, tout ça va trop vite, Tiki, je suis désolée, je vais pas y arriver. Aie confiance en toi, Marinette, tout ce que t'as à dire, c'est transforme-moi. Transforme-moi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Dis transforme-moi et hop, je te transforme. Compris. Blague, transforme-moi. Non, attends, je n'ai pas fini de t'expliquer. Trop cool. C'est pas vrai, comment on enlève ce truc? Tiki, si tu m'entends, je veux retrouver mes habits. J'irai nulle part comme ça. Après avoir détruit la tour du Châtelet, Cœur de Pierre se dirige à présent vers la tour Montparnasse. Le monstre semble inatteignable. Alia! Marinette, tu es bien rentrée. Oh, chut, maman, il m'occupe plus que ça. Marinette, tu es là. Tom, il faut qu'on appelle l'école. Ok, j'ai des super pouvoirs. Et à ce qui paraît, j'ai aussi un super yo-yo. Je commence à m'y habituer, moi. Salut, on peut dire que tu tombes à pic, toi. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Tu dois être la partenaire dont m'a parlé mon Kwami. Je suis... chat noir. Ouais, chat noir. Et toi? Et moi, je suis ma... je suis maladroite. Oh, je suis tellement maladroite. T'inquiète, Miss Maladroite. Moi aussi, je débute. Hé, mais où tu vas? Sauver Paris, non? J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Cœur de Pierre, voici ta seconde chance et cette fois ce sera plus facile. Personne ne t'empêchera de conquérir celle que tu aimes. En échange, n'oublie pas de me rendre un petit service. Agreste Adrien. Là, il faut répondre présent. Présent. Bourgeois Chloé. Présente. Bruel Yvan. Présent. Mugen. Non, lâche-moi, Yvan. C'est fini, je ne suis plus Yvan, je suis Cœur de Pierre. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour que nous soyons réunis pour toujours. Papa, le
toi. Allez, viens, on va les suivre. Non, non, vas-y toi, je préfère rester ici à l'abri. Mais viens, tu vas rater l'entrée en action de Ladybug. Toi et Ladybug, vous vous en sortirez mieux sans moi. Comme tu veux. Hé, hey, t'oublies ton sac. C'est mon premier jour d'école et je dépasse même pas l'appel. Tu as la journée de libre, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Oh non, 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 non. On a des devoirs à faire. Plague, transforme-moi. Tu n'as pas bien conscience de qui je suis. Mon père, c'est le maire de Paris. Il va faire intervenir la police, l'armée, bref, toute la cavalerie. N'oublions pas les super-héros. Désolé. Tu voulais dire les super-incompétents. Ah, vous vouliez la cavalerie. Eh bien, la voilà. Attrapez-le. J'ai un message à faire passer. Ensuite, toi et moi, on sera ensemble pour toujours. Si je vous gêne, vous pouvez me déposer ici, hein? T'inquiète pas, petit monstre. Je vais aussi m'occuper de toi. Hein? Ladybug, si tu m'entends, je serai pas contre un coup de main. Qu'est-ce qu'elle attend? Lâche-moi, tas de cailloux! Au secours! J'ai besoin de Ladybug! Je savais que tu changerais d'avis! Eh bien, je suis toujours pas sûre d'être faite pour ça, mais Alia est en danger. Je peux pas rester là, les bras croisés. Tiki, pas dans le coin, c'est trop dangereux. Chat-Noir, agrandis ton bâton. Désolée pour le retard. Ma lady, t'ai-je déjà dit à quel point je te trouve renversante? Oh, t'es du genre blagueur, toi, pas vrai? Si, ça te dirait de prendre de la hauteur? Il faut vite qu'on s'en aille. Bah, on s'occupe pas d'eux. Non, si on veut tous les sauver, il y en a qu'un sur lequel on doit se concentrer. C'est celui-là. Ayez le temps de prendre un vélo et d'aller à la tour Eiffel, tout était déjà fini. Oh, je suis dégoûtée. T'inquiète pas, un jour ou l'autre, tu l'auras ton scoop. T'as raison, prochain objectif, une interview exclusive de Ladybug. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Oh, attends, j'ai encore mieux. Je vais découvrir qui se cache derrière son masque. Alors là, bon courage pour y arriver. Adrien, tu m'as désobéi, je ne peux le tolérer. Alors, tu vois ce collège? Oui, je le vois, père. Eh bien, plus jamais, je dis bien plus jamais, tu ne t'y rendras. Oh, père, non! Sans ton garde du corps, il te déposera et te récupérera tous les jours. Nathalie a proposé d'organiser ton nouvel emploi du temps. Tu continueras tes cours de musique, de chinois, d'escrime et bien sûr, les séances photos. Merci, Nathalie. Je vous remercie, père. Non, attends. Vous vous êtes trompé de place, toutes les deux. Allez vous asseoir ailleurs. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. On peut savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je ne me laisserai plus faire Chloé, ni moi, ni personne d'autre dans cette classe. Alors pour commencer, tu vas me faire le plaisir d'aller t'asseoir ailleurs. Bien joué. Oh.
Toi qui voulais te faire des amis, tu devrais parler à Marinette, tu sais, pour le chewing-gum. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? T'as qu'à dire la vérité. Salut. Je voulais que tu saches que la dernière fois, j'essayais de décoller le chewing-gum de ton siège. C'est vrai, tu sais. Je suis jamais allé à l'école avant. J'ai jamais eu d'amis. Tout ça, pour moi, c'est un peu nouveau. À demain, alors. Oui, Adam, à main deux. Enfin, non, à matin demain. Enfin, pourquoi je bafouille, moi? Moi, j'ai bien une petite idée. C'est ton premier jour d'école et tu as déjà une amoureuse. Psst, tu dis n'importe quoi, c'est juste une amie. Une amie. Excellent choix, maître. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre.